Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal sur One Nation TV, la première télévision des cultures urbaines du Sénégal. Voici les titres. Nous parlerons de la chanteuse Aïda Sok qui a décidé de quitter l'industrie musicale. RBS Co présente la 8e édition Last Week Tour à suivre dans ce journal. À suivre également dans cette édition, la 8e édition de Free Party. L'actualité internationale, ça sera dans la deuxième partie de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur One Nation TV. La chanteuse Aïda Sok décide de quitter l'industrie musicale au Sénégal. C'est l'artiste qui nous fait l'annonce mardi passé à travers un post sur Instagram. Étant un talent confirmé, Aïda Sok, avec son talent hors pair et sa voix unique, estime que ses priorités sont ses valeurs. Principe, la paix, le travail et le travail ensemble. One Nation TV vous propose ce bref résumé de la carrière de l'artiste. D'un père diplomate sénégalais, Aïda Sok est née à Niamey. Après ses études secondaires, elle quitte le Sénégal pour continuer ses études aux États-Unis en Floride, où elle développe une carrière de mannequin. À son retour au Sénégal en 2013, elle entame sa carrière musicale et participe à The Voice Afrique francophone en 2016. Elle sort son premier single With You. Des collaborations avec plusieurs artistes comme Nix, Mami Victory, Edmo, lui ont valu le respect des mélomanes. Véritable bête de scène, elle assure les premières parties des artistes de renom tels que Daredi Family, Mao Sidibé. Des singles comme Sepalité, The Highest, Bob Sabob ont fait d'Ndaye Aïda Sok un talent confirmé avec un style assez particulier. Elle sort un EP nommé Sar, Soulful Afro Hip Hop, le 31 mars 2019, un projet au mélange de rythmes afro-modernes. Adepte de la mode, de la musique, c'était surtout sa bonne vibe et son énergie positive qu'elle partageait avec ses fans sur les réseaux sociaux. Ce mardi 6, les fans de la chanteuse se sont réveillés avec une annonce qui les a laissés dans un désarroi total. En effet, l'artiste a posté sur ses réseaux qu'elle met fin à sa carrière musicale. Les hommages et les témoignages n'ont pas tardé. Ses collègues artistes et ses fans ont laissé des messages de soutien pour l'artiste. Une chose est sûre, le monde de la musique sénégalaise se détache d'un incroyable talent. Dockwell Town Entertainment vous présente son concert Dutch Dub Show. L'événement se tiendra au stade municipal d'Ungero le 24 décembre à partir de 20h. Voici un extrait. Salam alaikum Garsen, salam alaikum around the world. Sayou Kalam aka Adam Fuller. Le Djokgaï Dick Dadje le 24 décembre, 6e édition Dutch Dub Show au stade municipal d'Ungero dans la petite côte, dans le département de Mbour. Donc toute la petite côte, nous invitons ñep tout le monde nañ ko wajal inshallah dig dajé lay doon ñu paré jox len projet bu bess tax inshallah peace love and harmony fiiru dama lu téy jinné ya. RBS Crew présente la 8e édition Last Week Tour, qui est un festival international et panafricain de graffiti. Des pays comme la France, la Guinée, les États-Unis, le Canada et la Suisse auront l'occasion de peindre avec la crème du graff sénégalais. Le festival se tiendra du 16 jusqu'au 19 novembre prochain à l'autopont de Djamalaï. Voici un extrait. Salam, salam, c'est Marzo Terka, un des membres fondateurs du collectif RBS Crew et aussi membre et représentant ici d'une organisation artistique qui s'appelle Aerosol. Aerosol, vous n'êtes que West Oakland, Californie, un peu affilié au mouvement Black Panther. Bon, RBS, c'est un mouvement panafricain artistique là. On a amené, rassemblé plusieurs membres, essentiellement haïtiens sénégalais, mais avec des membres de, un peu partout en Afrique et dans le monde. Rednak, ce que la 8e édition en fait, du festival Last World Tour. Le Last World Tour, c'est un festival itinérant de graffiti, de hip-hop, de tout ce qui englobe en fait, des valeurs du hip-hop autour de cette discipline du hip-hop qui s'appelle le graffiti ou le writing, pour ceux qui sont beaucoup plus connectés au mouvement hip-hop. Ce qui va se passer cette année, c'est que comme mouvement itinérant, on a donc chaque année en dehors de Dakar,
Mais cette année, nous concentrons ici à Dakar pour taper une fresque géante. Nous avons invité, bien évidemment, mais le plus essentiel, c'est la crème du graffiti sénégalais. Nous avons invité, nous DEFCO, en collaboration avec des frères de la Guinée, la cimetière de Yoff. Nous avons invité en face juste de la brioche dorée. Vous ne pouvez pas nous rater parce que c'est beaucoup d'artistes, c'est plus d'une vingtaine, donc sur plus de 100 mètres de mur. On sera là pendant 4 jours à partir du 16, 17, 18, 19. Donc vous êtes tous invités à venir partager par rapport à cette vision artistique de comment faire de l'art ou comment voir le monde à travers notre art. Donc respect à vous aussi, l'équipe, et vraiment vous êtes tous invités par rapport à cet événement. Free Party est un concept initié par TDI. L'événement vise à valoriser les influences culturelles de Guyane en créant des passerelles entre musique locale et culture hip-hop. Après une édition à Rura en 2020 ainsi qu'à Paris, c'est maintenant au tour de Dakar. Avec comme artiste invité Elzo Jamdong, c'est à l'Institut français de Dakar qu'aura lieu l'événement ce 15 décembre à partir de 20h30. Tout de suite, un extrait. Yo, c'est TDI. Je viens directement de la Guyane pour un événement qui s'appelle la Fruit Party. C'est un événement qui va se passer le 15 décembre à l'Institut français de Dakar. Et j'ai l'honneur d'organiser cet événement en collaboration avec Elzo Jamdong. Yeah! C'est un événement où j'ai la volonté de connecter musicalement la Guyane et le Sénégal. Et pour l'occasion, je suis venu avec deux musiciens de Guyane pour être connecté avec deux musiciens du Sénégal et pour proposer un concert live le 15 décembre à l'Institut français. Ça va être fruité de ouf. C'est 3000 francs CFA en prévente et 5000 francs CFA sur place. Tout est disponible sur le site de l'Institut français. N'hésitez pas à choper vos places. Rendez-vous le 15 décembre à l'Institut français à 20h30 pour la Fruit Party. Let's go! Mon blaze, c'est T2I. Je suis un rappeur guyanais. Je suis né, j'ai grandi en Guyane. J'ai développé mon art sur Paris, Reims. Et je continue à faire des connexions de ce type. Là, j'ai monté mon festival en Guyane, une masterclass en Guyane et différents événements que je monte autour de la culture hip-hop. Ma volonté, c'est de mélanger culture traditionnelle guyanaise et culture hip-hop. Et j'ai plusieurs EP à mon actif qui sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Le dernier en date, c'est un EP qui s'appelle Fruit, où je suis en featuring sur un titre qui s'appelle Paysage perdu. J'ai l'honneur de recevoir Elzo Jamdong en featuring. Et c'est de ce titre-là qu'est née la volonté de continuer à connecter la Guyane et le Sénégal. Donc c'est pour cela que l'événement Fruit Party fait escale au Sénégal, avec cette volonté de connecter musicalement nos univers artistiques. Donc, n'hésitez pas à aller sur les plateformes de streaming Découvert mon univers, T2I, ou sur les réseaux sociaux, T2I également. C'est du rap fruité, comme je le dis souvent, un rap avec beaucoup, beaucoup d'influences sud-américaines, d'Amérique latine, parce que c'est la culture dont je suis moi-même le fruit. Let's go, bonne découverte à vous. X2 Wanted vous informe de la tenue de la deuxième édition de leur concert On Cat Show. L'événement aura lieu le 26 décembre prochain à On Cat Terre en Dissau. Suivons un extrait. What's up guys, Nguyen Def, c'est Osei, rappeur polyvalent, from X2 Wanted. Guys, je vous rendez-vous le 26 décembre, On Cat Show, Fela Fela Chimbour. Wow. En train gratos le plein air le hamon a ñep ñew ren moy doon deuxième édition bi def nañ ko daw indi fi ay artiste yu mag xam nga wa dekk bi yépp content town bi yépp content xam nga grave gars sen yépp content xam nga ren dañ ko wara defaat mu nekk deuxième édition bi té ren day gëna nice ren day gëna nice voilà donc ñi ngi wo ñep xam nga bayu ñu kenn mag ndaw xalé goor jigen bayu ñu kenn né ñep ñew japp ci événement bi parce que événement ñep le xam nga ni won wo télé yi genre animateur yi voilà page publicitaire yi bayu ñu kenn né ñep ñew def ci sen loxo parce que après ñoko bok xam nga ñoko bok voilà donc on va show le 26 décembre xam nga entre La grande finale Talent Petite Côte se tiendra le 30 décembre prochain, organisée par Mbourg Culture Urbaine et Œuvres Sociales. C'est au CEDEPS de Mbourg qu'aura lieu cette prestigieuse compétition.
Tout de suite, l'actualité internationale avec Aminata Fall. Fally Ipupa annonce la sortie de son nouvel album intitulé Formule 7. Annoncé le 27 novembre dernier sur ses réseaux sociaux, l'album sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ce 7e album solo de Fally sera disponible le 16 décembre prochain au lieu du 2 décembre initialement annoncé sur le plateau de France 24. La collaboration de Alonso et Wejden est confirmée. Le featuring inédit entre les deux artistes est certifié avec un premier extrait partagé par Wejden qui prépare l'apparition de son nouvel opus. Le titre sera disponible dans son intégralité le 16 décembre prochain sur YouTube. L'artiste Kanye sort un nouveau morceau dans lequel il évoque le tweet DEFCON 3, une annonce faite par le rappeur lui-même le mercredi dernier sur Instagram. Pour rappel, ce titre a été à l'origine de la rupture de ses nombreux contrats. L'artiste soprano connaît enfin l'identité de son premier enfant né sous X. Il a été retrouvé il y a quelques semaines, révèle un membre de Pussycat de la Rime. A noter que le chanteur soprano a été l'invité de Samuel Etienne sur Twitch le samedi dernier. Une occasion saisie par le rappeur pour nous confier son bonheur d'avoir retrouvé son fils né il y a 27 ans. Nous en sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente soirée.